إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد شير فريري صلى الله عليه وسلم شير تلسبيكتاتير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier de rappeler notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis conformément à la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Balligu anni wa law aya » transmetté de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres. Qu'il bénisse notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur notre nouveau thème général intitulé « Les attributs négatifs de l'homme ». Nous nous sommes séparés sur le deuxième attribut négatif de l'homme, à savoir celui de la précipitation. Nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, le troisième attribut, celui de l'instabilité. Mais avant cela, nous allons terminer le mot de la semaine de l'émission passée, à savoir les trois sources de nos maux. Nous nous sommes séparés sur le dialogue entre le maître et son disciple à propos du mal que les gens cultivent et entretiennent les uns pour les autres. Au lieu d'arroser leur bonheur, les gens arrosent plutôt leur malheur. Donc, nous allons continuer ces mot de la semaine et le terminer avant de commencer le troisième attribut négatif parmi les attributs négatifs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié l'être humain à travers les cinq Corans. Donc ce sont seulement les plantes qu'on arrose qui fleurissent. Et nous avons dit que les plantes ici, ce n'est pas les plantes en tant que telles. C'est vrai que ça, les plantes répondent à cette sentence, mais la réalité c'est que les plantes c'est tout ce que nous faisons. Soit nos comportements, soit nos paroles, soit nos imaginations, nos idées, nos pensées, nos actions, eh bien, c'est seulement les plantes qu'on arrose qui fleurissent. Très bien dit le maître. Les hommes arrosent trop souvent leur malheur et jamais leur bonheur, ce qui fait que leur malheur fleurisse davantage. Donc, c'est ce que nous entretenons au fond de nous, c'est ce que nous faisons qui finit par avoir donc le dessus, comme nous avons vu le mot de la semaine intitulée « Le loup noir et le loup blanc ». Donc c'est celui que nous nourrissons qui aura toujours le dessus, qui aura toujours l'avantage. Par conséquent, ici l'auteur veut dire que veut nous enseigner, veut nous apprendre qu'il faut nous habituer à faire le bien, à entretenir le bien aussi bien entre nous qu'à l'intérieur de nous pour que justement ces biens puissent fleurir dans notre vie, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Quand il y a un problème, l'homme le plus souvent, il pense nuit et jour, il va avec ce problème au lit, il se réveille avec ce problème, il va au service avec le problème, et parfois il transmet même le problème. Finalement, il y a une transition, une contamination, une contagion donc du problème d'un être, d'un homme à un autre, ainsi de suite. Donc,
il faut dégager la conscience donc, de ce qu'on ne veut pas. Il faut dégager la conscience du mauvais côté pour justement faire place au bon côté. Parce qu'il ne peut pas avoir dans les mêmes récipients, dans les mêmes esprits, dans la même conscience, le mal et le bien. Et nous allons voir que si aujourd'hui il y a des problèmes entre les gens, c'est que les trois sources sont ça des travail, à savoir l'ingratitude, soit envers le créateur et soit envers les créatures, et la haine, donc le manque d'amour, et aussi l'intolérance, donc l'intolérance vis-à-vis des autres. Par conséquent, ici le maître répond à son disciple en disant que les hommes arrosent trop souvent leur malheur et jamais leur bonheur, ce qui fait que ce sont les malheurs qui fleurissent, ce sont les malheurs qui prennent de l'ampleur. Et c'est pourquoi donc, on conseille à celui qui a un problème de ne pas donc, se fier ou de ne pas mettre ce problème devant lui, parce qu'en mettant le problème devant soi, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons rencontrer tout le temps. Au contraire, il faut essayer de faire fi du problème en cherchant donc, la solution. Pensez plutôt à la solution qu'au problème lui-même. Et c'est pourquoi j'ai dit, au lieu de dire la lutte contre la pauvreté, non, il faut dire plutôt la lutte pour la richesse, la lutte pour la prospérité. Et comme ça, nous allons mettre dans nos esprits la prospérité et non la pauvreté, puisque c'est cette pauvreté qu'on nous crache au visage à travers un peu partout. Vous êtes pauvre, votre pays est pauvre, votre continent est pauvre, ainsi de suite. Donc, on s'est transmis finalement cette mentalité de pauvre, de fils en père, de génération, de père en fils, de génération en génération. Alors que c'est le contraire que nous devons faire. Il faut maintenant aller vers la prospérité, il faut maintenant travailler pour la richesse. Donc mettre la richesse dans l'esprit, mettre la richesse devant soi comme objectif et non la maladie qui est donc la pauvreté. Donc les hommes arrosent trop souvent leur malheur et jamais leur bonheur, ce qui fait que leur malheur fleurisse davantage. Et ce qui est encore pire, c'est le fait de vouloir raconter à quiconque veut nous entendre, à quiconque veut nous écouter, nos problèmes, que ce soit des problèmes particuliers, individuels ou familiaux ou sociaux ou politiques ou économiques, les raconter à n'importe qui, comme si nous nous plaignions donc de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendus responsables dans tous les cas, parce que il nous a donné tous les moyens, tous les atouts qui nous permettent justement, comme les autres ont utilisé leurs moyens, leurs atouts, donc de la même façon nous devons faire usage donc de ce que Dieu nous a donné, et au lieu de chercher, comme on dit, au lieu de maudire l'obscurité, il faut plutôt allumer une bougie. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, s'il y a des problèmes aujourd'hui dans la société, dans les familles, dans les services, c'est qu'en réalité, nous sommes la source de ces problèmes, comme nous l'avons dit, donc les trois sources de nos problèmes, la haine, l'ingratitude et l'intolérance vis-à-vis des autres. Et l'amour continue, les maîtres, ne voient-ils pas, pardon, que la tyrannie, les guerres, les souffrances que les hommes s'infligent entre eux ne sont que les résultats de l'absence d'amour. Alors, quand on dit absence d'amour, ça veut dire la haine. Et pourquoi aujourd'hui, les gens, d'ailleurs le disciple va poser cette question, pourquoi les gens mettent l'accent sur le côté mauvais, sur le mauvais côté? Et c'est la raison pour laquelle justement nous avons choisi de parler des attributs négatifs de l'homme, parce qu'en l'homme nous allons voir qu'effectivement il y a tout. Nous avons passé 3 ans ici à travers cette école en parlant des qualités, mais qui fait référence plutôt à ces qualités, alors que tout le monde fait référence à ses défauts, donc au côté négatif. Et c'est pourquoi nous avons voulu donc compléter les qualités du musulman par les attributs négatifs de l'homme, bien qu'il y a aussi les attributs positifs à l'être humain. Parce que dans l'être humain, c'est comme dans l'univers, c'est comme dans le cosmos, c'est la dualité opposée, la règle de la dualité opposée. Donc à nous, il y a le bien et le mal. À nous, il y a la bonté, la méchanceté, comme nous allons le voir. Par conséquent, ici, le maître dit l'amour, ne voit-il pas que la tyrannie, les guerres, les souffrances que les hommes s'infligent entre eux ne sont que les résultats de l'absence d'amour. Donc les gens ne s'aiment pas. Et quand on ne s'aime pas, c'est tout à fait normal
qu'on ne souhaite pas les biens les uns pour les autres, c'est tout à fait normal qu'on ne vit pas en paix. Et comme je l'ai toujours dit, en réalité, si nous sommes en problème avec les autres, en réalité, c'est que le problème se trouve en nous-mêmes. Celui qui n'est pas en paix avec lui-même, celui qui n'est pas en paix au fond de lui-même, ne peut pas être en paix avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle le malade mental ne peut pas être en paix avec les autres, parce qu'il a un problème de conscience, il a un problème de paix, de santé au fond de lui-même. Par conséquent, il ne peut pas être en paix avec les autres. Mais ce qui est différent avec les malades mentaux, c'est que nous avons la possibilité justement de nous corriger, parce que c'est ça l'objectif de l'islam. Si l'homme n'a pas la possibilité de se corriger, de réparer ses erreurs, de corriger ses fautes, donc ce n'est pas la peine. Donc la religion est venue pour justement nous enseigner ce qu'il faut faire, en mettant donc l'accent sur le bon côté plutôt que sur le mauvais côté. Donc à nous, il y a tout. Il y a des attributs négatifs que Dieu n'aime pas en nous, et il y a aussi les attributs positifs que Dieu aime voir en nous et qui nous permettent aussi d'être aimés de lui. Mais qu'est-ce que nous faisons le plus souvent, sinon toujours? C'est le fait de mettre donc l'accent sur les côtés, les mauvais côtés. Donc la tyrannie, les guerres, les souffrances que les hommes s'infligent entre eux ne sont que les résultats de l'absence d'amour. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, donc un peuple s'élève pour attaquer un autre, ou bien un groupuscule s'élève pour attaquer un autre, ou bien un individu s'élève pour attaquer un autre? C'est effectivement ce manque d'amour, donc la haine. Or, pour nous musulmans, c'est clair et net, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas passé par quatre chemins pour nous cracher cette vérité. On ne peut pas accéder, on ne peut même pas espérer à sentir l'odeur du paradis sans l'amour mutuel. Et il va jusqu'à jurer pour nous affirmer cette réalité, alors qu'il n'a pas besoin de jurer, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Walladhi nafsi biyadi, la tadkhul janna hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. » Donc, je jure, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme je l'ai dit, il n'a pas besoin de jurer. Tout le monde, y compris même ses adversaires, le calife d'Al-Amin, le fidèle, le loyal, l'honnête, qui n'a jamais menti, même avant la prophétie, à plus forte raison pendant la prophétie. Mais malgré cela, pour nous faire prendre conscience de la gravité de la chose, il va jusqu'à jurer. Je jure par celui de la main de qui se trouve mon âme, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, que vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Donc la foi, c'est une condition incontournable pour entrer dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez ». Donc l'amour mutuel, et c'est pourquoi en islam, il y a justement ces principes de l'amour mutuel. Et nous en avons parlé ici, et ce ne sera pas de trop d'en parler aussi à travers notre école au cours des émissions à venir, parce que le besoin se fait toujours sentir. Donc retenons pour aujourd'hui que pour entrer au paradis, il faut avoir la foi. Le paradis est réservé à ceux qui possèdent la foi, à ceux qui ont mis leur foi donc en application, en évidence à travers leur vie terrestre, comme le Saint-Coran l'a affirmé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que cette foi, on ne peut pas l'avoir sans l'amour mutuel. Donc l'amour mutuel devient une obligation incontournable pour avoir la foi. « Ma la yatimu al-wajib illa bihi fahu wajib » Ça, c'est une règle de la jurisprudence islamique. Ce dont le devoir ne peut s'accomplir que par son biais, par son truchement, il devient aussi une obligation. Par exemple, la prière est une obligation, mais on ne peut pas prier sans ablution. Par conséquent, l'ablution aussi devient une obligation. Donc ici, pour entrer au paradis, la foi est nécessaire, indispensable, incontournable. Mais cette foi, on ne peut pas l'avoir sans l'amour mutuel. Par conséquent, l'amour mutuel aussi devient indispensable, incontournable, nécessaire. Nécessairement, il faut que nous nous aimions, en tout cas, nous sommes musulmans. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire signifier. Donc, « Walladhi nafsi biyadihi, la tadkhul janna hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le médecin général, ne s'arrête pas là. Il nous prescrit maintenant le remède. Il nous prescrit donc tout de suite un remède qui nous permet justement de nous aimer. Et en nous aimant, nous allons avoir la foi. Et en ayant la foi, on peut espérer entrer au paradis grâce donc aux bonnes œuvres plus la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah adullukum ala shayin, idha fa'altumu tahababtum, afshu salama baynakum. » Et lisez bien et écoutez bien. Donc ces hadiths, afshu
As-salama nafsa. Donc, répandez, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la paix entre vous. Donc, pour nous dire que finalement, le fait de répandre la paix, le fait de faire la paix, eh bien, devient aussi une obligation dans une société où les gens veulent donc avoir la foi, veulent avoir la foi pour entrer au paradis. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, chers spectateurs, c'est une transition. Et tout est incontournable. On ne peut pas entrer au paradis sans la foi. On ne peut pas avoir la foi sans l'amour mutuel. Et on ne peut pas avoir l'amour mutuel sans faire la paix. Par conséquent, si nous sommes musulmans, puisqu'on le dit, on essaie de le montrer à travers des prières qu'on expédie comme ça parfois, à Dieu sans même comprendre, parce que si réellement nous sommes musulmans, ce que nous vivons aujourd'hui ne peut pas arriver. Si réellement nous sommes musulmans, même, je ne dis même pas croyants, musulmans encore, parce que vous savez, l'islam c'est trois troncs, l'islam c'est trois niveaux. Il y a l'islam, l'iman, l'ihsan, donc l'islam, le tronc commun, et puis la foi, l'iman, le tronc du milieu, et en haut, donc l'ultime niveau, le niveau de la perfection ou de la bienfaisance. Donc je parle bien sûr de l'islam, le premier tronc, le tronc commun. Si nous sommes musulmans, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui, entre les gens, la façon dont les gens se critiquent, la façon dont les gens se calomnient, ça ne peut pas arriver. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la définition du musulman, al-muslim salim al-muslimun min lisani wadi. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal, de sa langue et de sa main. Taisez-vous s'il vous plaît. Si vous n'avez pas rempli ou concrétisé cette définition du musulman, eh bien, ne cherchez pas autre chose. Le prophète ne parle pas en l'air. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion ni en l'air. Ce n'est que de la révélation inspirée. Donc, tout ce qu'il nous a apporté, c'est dans notre bien. Il dit, de l'autre côté, il a géré. Ici, il affirme que pour définir le musulman, une définition très simple, mais combien difficile pour les gens d'aujourd'hui à appliquer, à mettre en évidence, en application, à concrétiser. Le musulman est celui dont les autres musulmans, écoutez bien, dans les autres musulmans et dans une variante du hadith, dont les autres hommes, donc tous les hommes, les fils d'Adam, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur terre, quelle que soit leur langue, sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Alors, quel est le musulman, celui-là qui prie 5 fois par jour, qui jeûne le ramadan, qui va au hajj, qui va à la umra, qui donne la zakat s'il a le moyen? Quel est le musulman aujourd'hui qui peut lever son doigt ou sa main pour dire qu'il a concrétisé la définition du musulman? Et si on ne l'a pas concrétisé, comment espérer justement rester dans l'islam? Comment espérer accéder aux autres vertus de l'islam, comme on le voit aujourd'hui? Les gens, la calomnie, la satire, la critique, et tout ça, ce sont des introductions à des situations dont Dieu seul connaît l'aboutissement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à revenir à nous-mêmes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure, je jure par celui dans la main de qui se trouve mon âme, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi, et vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez mutuellement, donc l'amour mutuel. Et maintenant, il nous dit, pour nous aimer mutuellement, il faut qu'on fasse la paix. Mais comme je l'ai dit, faire la paix entre nous commence par faire la paix avec soi-même. Quand je ne suis pas en paix avec moi-même, ce n'est pas possible que je sois en paix avec toi ou avec X ou Y. Donc, on commence par être en paix avec soi-même, avec son Seigneur, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de cette façon, on peut être en paix avec les autres. Mais comme ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment regrettable qu'on dise que nous sommes musulmans, alors que nous n'avons pas d'autre chose que les autres. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé « manger la chair crue de son frère ». يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيهب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الله أكبر. Donc Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, compare la calomnie, la satire, la critique des autres, même pire encore, l'insulte des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, a affirmé que insulter un musulman, c'est de la perversion, le combattre, c'est de la mécréance. Et quand les deux musulmans se combattent, tous les deux seront dans le feu. Le compagnon demandait, mais pourquoi? L'autre dit, les tueurs, tous seront dans le feu. Le compagnon dit, mais on comprend pour les tueurs. Mais les tueurs, quel est son problème? Le prophète a dit, n'est-ce pas que lui aussi avait l'intention de tuer? Donc, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve.
il faut que nous revenions à nous-mêmes. Il faut que nous revenions à l'islam, les ABC de l'islam. D'abord, il faut concrétiser la définition de l'islam. C'est quoi être musulman? Le prophète, facile à retenir, peut-être difficile à appliquer. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et dans la variante que j'ai citée, dont les autres hommes sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Donc si vous n'avez pas concrété cette définition, cela veut dire qu'en réalité, votre foi, votre islam, c'est une prétention. Votre islam, c'est une prétention. C'est une couverture, c'est un rideau derrière lequel vous voulez tromper les gens. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, faisons un effort pour nous contrôler, pour contrôler nos langues, parce que tous les mal partent de là. La langue, on commence à calomnier, à critiquer, à faire la satire, et puis ça évolue, ça progresse petit à petit, jusqu'à donc arriver aux insultes, ainsi de suite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas en l'air, ni sous l'effet de la passion, nous dit que wallahi, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi, et vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez mutuellement. Alors, pour vous aimer mutuellement, il nous dit de nous aimer mutuellement. Aimez-vous. Enfin, il nous dit de faire la paix. Donc, faire la paix, et c'est pourquoi j'ai dit de bien écouter, de bien lire. Ce n'est pas, le prophète ne dit pas « Afshu tahiyyat al-salam baynakum ». Il a dit « Afshu salam nafsa ». Donc, répandez la paix elle-même, ce n'est pas la salutation de la paix. Bien que ça comprenne cela, mais c'est la paix elle-même. Il faut faire la paix avec les gens. Être en paix avec les gens, c'est très simple pour celui qui décide de le faire en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand c'est l'ego qui l'emporte, on ne peut pas nous critiquer, on ne peut pas parler de nous, on ne peut pas dire que nous faisons mal, on ne peut pas dire que non, subhanallah. Et puis de l'autre côté, on met l'accent sur des prédispositions naturelles, divines, dans lesquelles on n'a aucune part de responsabilité, et on en fait un problème. On en fait un objet de division sociale, de division familiale, de division conjugale, etc. etc. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, limadha ya rab, lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ô homme, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Le mâle, c'est Adam a.s. La femelle, c'est Hawa a.s. Nous descendons tous. Et les blancs, et les noirs, et les jaunes, et les blancs. Le rouge, nous descendons tous de ces deux génitaires, de ces deux parents ancestraux, à savoir Adam a.s. puis Hawa. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons réparti en nations et tribus. Pourquoi, au Seigneur? Pour qu'on s'entre-déchire? Pour qu'on fasse la guerre, pour qu'on se critique, pour qu'on se calomnie. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'ita'arafu, pour que vous vous connaissiez mutuellement. Donc la connaissance mutuelle, le respect mutuel, la paix mutuelle, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, etc. etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous précise tout de suite que la mesure auprès de lui, les critères de distinction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas en fonction de la possession, ce n'est pas en fonction du titre ou des honneurs, ce n'est pas en fonction de la taille, ce n'est pas en fonction de la couleur ou de la race ou de la terre, non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum ». Le plus noble, le plus placé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui les craint le plus. Et pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les connaître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les critères de valorisation, de distinction des individus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne se fait pas sur la base de la race, sur la base de l'ethnie, sur la base de la couleur, sur la base de la taille, sur la base de la langue, sur la base de la terre, mais ça se fait sur la base de la foi, de la crainte, donc de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nous vous avons créé à partir des mâles et d'une femelle, nous descendons tous de ces deux-là, et puis nous vous avons répartis en nations et tribus. Pourquoi? Pour qu'on puisse se connaître, on puisse s'entraider, on puisse aimer, s'aimer et vivre en paix. Malheureusement, ce n'est pas cela, jusque dans une société qui prétend être à 99% musulmane. Et je me demande quel islam et quelle foi. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu. Ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire en tant que musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ordre qu'il nous donne ici, comme prier, comme jeûner, comme accomplir le hajj, la umrah, comme donner la zakat, comme respecter vos parents, respecter les engagements que vous avez pris, etc. Et il nous dit, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas.
Et il va jusqu'à nous tracer maintenant les conséquences de la division, que ce soit la division sociale, la division familiale, la division au sein d'un service, etc., etc. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons pris de considération des critères de division qui n'ont rien à voir avec ce que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé et ce que l'Islam veut que nous soyons donc des frères comme des frères, plus que la fraternité du sang, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc à côté de ces versets du Saint-Coran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que c'est lui qui nous a créés à partir des mâles et d'une femelle et qui nous a répartis entre nations et tribus pour qu'on puisse se connaître, s'entraider, s'aimer, vivre en bonne cohabitation, de la symbiose, de l'amour, de la fraternité. À côté de ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir également « Inna abakum wahid, ya ayyuhannas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadl li arabiyin ala ajmiyin, wala li ajmiyin ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittaqwa. » Donc il reprend d'une façon encore plus simple, plus détaillée, la notion donc de l'origine commune et puis le principe de la vie en société, c'est-à-dire le principe de la symbiose, le principe de la cohabitation pacifique, quel que soit donc ce qui nous divise, que ce soit la couleur, que ce soit la taille, que ce soit la langue, que ce soit la terre, nous descendons tous d'Adam alayhi salam. Il dit « Inna rabbakum wahid ». Au homme, il a d'abord interpellé les hommes sans aucune distinction de couleur, de race. Votre Seigneur, « Inna rabbakum », votre Seigneur est unique. C'est Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu de cet univers. Parce qu'il n'y a pas de créateur, sinon la guerre allait éclater entre les deux. Chacun dira, le nord c'est pour moi, le sud c'est pour moi, l'est c'est pour moi, l'ouest c'est pour moi, le soleil c'est pour moi, la lune c'est pour moi. Et ça n'a jamais été et ça ne sera jamais. Donc votre Seigneur est unique, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu. Votre père est unique, Adam alayhi salam. N'est-ce pas qu'il n'y a aucun mérite ni privilège pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, sauf par la piété. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Inna akramukum indallahi atqakum. » Fa'ayna tadhhabun. Où allez-vous donc? En tant que croyant, en tant que musulman, avec tous ces textes-là, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas nous qui parlons, prêcheurs, en tant que prêcheurs. C'est Dieu qui parle, c'est le prophète qui parle. Si nous ne pouvons pas écouter les prêcheurs, au moins écoutons, ça c'est le Coran. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là que vous prétendez aimer et suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs en islam, mettons fin à cet islam de façade, à cet islam qui ne nous empêche pas donc, de faire le mal, de commettre le mal. Et quel mal encore que de dresser les gens les uns contre les autres pour des intérêts personnels, pour des intérêts partisans, pour des intérêts ethniques et autres. Donc, en islam, la race, l'ethnie, la couleur, la taille, etc., ce sont des dispositions naturelles dans lesquelles l'homme n'a aucune part de responsabilité, aucune part de participation. Qui a choisi ses parents, même géniteurs, son père, sa mère, qui les a choisis? Personne. Qui a choisi sa langue? Qui a choisi sa terre? Qui a choisi ce lieu de naissance? Personne. Donc ce sont des dispositions naturelles. Et qui a fait une demande pour être blanc ou noir avant de naître? Qui a fait une demande pour être américain, français, britannique, sénégalais, nigérien, burkinabé avant de naître? Personne. Donc ce sont des dispositions naturelles dans lesquelles nous n'avons aucune part de responsabilité. Par conséquent, ça ne peut pas être des critères de distinction, de valorisation des individus les uns par rapport aux autres. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous le montrer, il n'y a pas de privilège ni mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, hormis par la piété, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakrin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. » Donc nous vous avons créé à partir des mâles et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, le plus noble d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, revenons à notre mot.
le mot de la semaine, la tyrannie, les guerres, les souffrances que les hommes s'infligent aujourd'hui entre eux ne sont que le résultat justement de l'absence d'amour, donc de la haine, puisque si, là où il n'y a pas d'amour, il ne peut qu'avoir son contraire. L'univers tout entier est créé sur la loi de la dualité opposée. Nous sommes également façonnés, nous sommes créés et faits sur la loi de la dualité opposée. Si ce n'est pas de l'amour que je manifeste à ton égard, c'est forcément son contraire. Par conséquent, il ne peut avoir deux contraires dans un même récipient. Pour qu'il y ait de l'amour dans nos cœurs, il faut que nous extirpions de nos cœurs justement la haine. Il faut que nous fassions sortir de nos cœurs notre haine. Et en réalité, tout ce que nous voyons à l'égard des autres, ou nous pensons que les autres font à notre égard, en réalité, la source se trouve en nous. Ça, c'est parti de nous. S'il n'y avait pas donc la haine en nous, s'il n'y a que l'amour en nous, les hommes, les autres ne peuvent que nous aimer et vice-versa. Par conséquent, comme nous l'avons dit, les trois sources de nos maux sont l'ingratitude, la haine et l'intolérance, comme on les voit aujourd'hui. Les gens sont intolérants. Nous allons continuer pour voir donc le reste de notre mot de la semaine. Donc, les gens, la question que nous nous sommes posée et que les disciples posent également à son maître, mais pourquoi les hommes sont devenus si vils et insensibles? Subhanallah, quelle question! Pourquoi justement les gens sont devenus si vils et insensibles? Donc à tous les prêches, dans un pays, dans une société comme la nôtre, on prêche nuit et jour dans toutes les langues, même en anglais aujourd'hui on prêche pour faire comprendre les gens, pour faire comprendre l'islam aux gens, pour faire comprendre comment les gens doivent vivre, pour faire comprendre aux gens comment ils doivent retourner vers leur Seigneur, s'aimer et chercher à faire leur bonheur, à faire sortir ce bout de terre que le Créateur leur a confié, comme les autres ont fait prospérer le bout de terre qu'il leur a confié, et sur le bout de terre sur lequel ils seront tous donc interrogés le jugement dernier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati ». Le prophète n'a accepté personne, ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni de l'opposition, ni de la mouvance. Tous seront interrogés en tant que Nigérois. Nous serons interrogés sur ce bout de terre que Dieu nous a confié. Pourquoi il est comme ça alors que les autres ont avancé dans tous les domaines de la vie? Justement parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne cherche pas le bien, on n'aime pas le bien les uns pour les autres, alors que c'est une condition incontournable pour avoir la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « La yumina ahadukum, hatta condition, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbi li nafsi. » Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc c'est quelque chose que nous aimons pour nous, que nous n'aimons pas pour les autres, en réalité nous ne sommes pas encore croyants. Que nous révisions notre foi, que nous révisions notre position vis-à-vis de notre religion, vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de notre prophète, vis-à-vis de notre livre, le Coran. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, s'il y a des problèmes de la société, eh bien ces problèmes, c'est nous qui sommes les responsables. Et il n'y a pas quelqu'un qui va donc venir régler ces problèmes, il n'y a que nous. Donc dès aujourd'hui, il faut régler. Et le premier règlement de nos problèmes commence par être en paix avec soi-même. Il faut s'asseoir, faire l'autocritique de soi. Il faut se remettre en cause. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne se remet en cause. Personne ne remet son côté en cause, son parti, son clan, son ethnie, sa race, sa couleur en cause. S'il y a un problème dans la société, c'est toujours les autres et jamais moi. Alors que ce n'est pas ça. Chers frères et sœurs en islam, donc je continue avec le mot pour ne pas encore revenir là-dessus au cours des émissions à venir. Et l'amour continue les maîtres. Ne vois-tu pas, Padama, que la tyrannie, les guerres, les souffrances que les hommes s'infligent entre eux ne sont que le résultat de l'absence d'amour? Donc c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Si vraiment il y a amour, il ne peut pas avoir toutes ces situations que nous sommes en train de vivre sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan continental, sur le plan international. Et avant cela, sur le plan personnel, individuel, psychologique. Parce que comme je l'ai dit, en réalité, si la paix n'est pas à nous, on ne peut pas l'offrir à autrui, comme on dit « Fakidu Sheila Yotihi ». Quand vous manquez de quelque chose, vous ne pouvez pas l'offrir à autrui. Donc si nous demandons de respecter les autres, en réalité, c'est que si nous sommes incapables de respecter les autres, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de respect à nous-mêmes. Si nous sommes incapables de faire la paix avec les autres, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de paix à nous-mêmes. Et nous allons voir pourquoi il ne peut pas avoir tout cela. Parce que nous avons mis l'accent sur ce qui est mauvais, sur le côté négatif que nous avons mis l'accent au détriment du côté positif qui se trouve aussi à bon escient à nous et chez tout le monde.
Donc, je vois, dit Padama, mais pourquoi les hommes sont devenus civils, si insensibles, malgré les prêches, malgré tout ce que, malgré ce qu'ils voient ailleurs? Alors, toujours le même problème, répondit le maître. Les hommes ont pris l'habitude d'être aveugles face à leur qualité et à leur bonté, et ont pris l'habitude d'être intolérants face à leurs moindres défauts, et ils sont encore plus intolérants avec les défauts des autres. Donc voilà le maître qui répond donc à son disciple. Il dit, les hommes ont pris l'habitude d'être aveugles face à leur qualité et à leur bonté. Donc aujourd'hui, personne ne cherche, on ne peut pas généraliser, il y a toujours des gens qui cherchent, mais la grande majorité, la majorité écrasante de nous, des gens aujourd'hui, ne cherchent pas à mettre l'accent sur leur qualité, sur leur bonté. Au contraire, on cherche à mettre l'accent sur ce qui est négatif. Chacun veut qu'on dise que c'est lui le plus méchant, que c'est lui le plus dur, que c'est lui le plus ceci ou cela, subhanallah. Alors que justement, en lui, il y a la bonté, en lui, il y a l'amour, mais il manifeste la haine, il manifeste la méchanceté, comme si il n'y a pas quelque chose d'autre chose. Alors que, comme on vient de le voir, c'est ce que nous sommes, que nous allons récolter. La méchanceté, la haine, c'est le mauvais comportement, la dureté, etc., la haine, tout ce que nous sommes, c'est ce que nous allons récolter. Ça, c'est une loi naturel. De la même façon que le cultivateur qui met du mil, qui sème du mil ou du sorgho ou autre chose, il va récolter le mil ou le sorgho tôt ou tard. De la même façon, ce que nous sémons, c'est ce que nous allons récolter. Donc, ne cherchons pas que les autres nous aiment, mais aimons les autres et nous allons voir. Ne cherchons pas que les autres nous obéissent, mais essayons de d'accomplir notre devoir envers les gens. Et c'est pourquoi en islam, on met l'accent sur le devoir plutôt que sur le droit, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde crie à son droit. Le droit de ceci, le droit de cela, jusqu'à aux chiens qui ne peuvent pas parler, on leur a créé des associations pour défendre leurs droits. Mais personne ne parle de son devoir. Personne ne songe à son devoir. Alors que la philosophie de l'islam, c'est mettre l'accent sur le devoir, parce que le devoir, c'est ce sur quoi on sera interrogé demain, peut-être ici même, devant l'histoire humaine, l'audience humaine, avant l'audience divine. Donc, chers frères et sœurs islam, les hommes ont pris l'habitude d'être aveugles face à leur qualité. À chacun de nous, il y a l'amour. À chacun de nous, il y a la bonté. À chacun de nous, il y a la compassion. À chacun de nous, il y a la douceur. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est le contraire. Et il suffit d'écouter les gens. Il suffit de regarder les gens. Comment les gens parlent aujourd'hui? Comment les gens se comportent aujourd'hui pour se rendre compte de la réalité de cette affirmation que nous sommes aujourd'hui ou que les gens ont pris l'habitude aujourd'hui d'être aveugles face à leur qualité, face à leur bonté, et ils ont pris l'habitude d'être intolérants face à leurs moindres défauts et ils sont encore plus intolérants envers les défauts des autres. C'est-à-dire, on veut que les gens soient comme des anges descendus du ciel qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qui font ce qu'on leur ordonne de faire, alors qu'eux, ils s'oublient eux-mêmes de faire le bien comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit « Atamurun nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab ». Comment allez-vous recommander aux gens de faire le bien alors que vous ne le faites pas, alors que vous récitez le Coran, le livre? Donc voilà notre problème. Si en réalité nous ne voyons pas qu'il y a la paix, le problème c'est à nous. Et il n'y a pas, comme je l'ai dit, quelqu'un d'extérieur qui va venir faire cette paix entre nous. Par conséquent, au lieu de casser la calebasse et chercher à la réparer, il faut plutôt la laisser aujourd'hui intacte et chercher les moyens pour garder la calebasse intacte. Garder donc la pureté de nos cœurs, la pureté de nos consciences. Parce que comme je l'ai dit, il y a des réalités qui ne souffrent pas de changement. Quiconque trouble la paix des autres ne pourra jamais connaître la paix et ne pourra jamais vivre en paix. Quiconque trouble la sécurité des gens ne pourra jamais vivre en sécurité ni connaître la sécurité dans sa vie jusqu'à la mort. Ce sont des règles à retenir. Et c'est pourquoi la meilleure façon d'avoir la paix ou de faire la paix entre nous, c'est que chacun revienne à Dieu et que chacun essaie donc d'améliorer d'abord sa relation avec son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait une étincelle de lumière dans son cœur, pour qu'il voit les choses clairement, pour qu'il y ait une étincelle de clarté dans son cœur, pour qu'il y ait un peu de paix dans son cœur, parce que tant qu'il n'y a pas de paix intérieure, il ne peut pas avoir de paix extérieure. Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. Donc, quand le contact n'est pas bien mis, quand nous sommes déconnectés d'Allah subhanahu wa ta'ala,
la source de la tranquillité, la source de la paix, la source de l'apaisement, eh bien, ce n'est pas possible que nous puissions vivre en paix comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas que par l'invocation, par le contact, par la connexion à Dieu, que le cœur se tranquillise, vive en paix. À partir du moment où on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a ni force ni puissance qu'en Dieu. Personne, je dis bien personne, ni dans les cieux ni sur la terre, ne peut faire quelque chose sinon avec la volonté expresse de Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où on est connecté donc à cette source de la force inébranlable, de la force invisible, invincible qu'on ne peut pas vaincre, chers frères et sœurs d'Islam, eh bien à partir de ce moment, on dort tranquille parce qu'on sait que personne ne peut faire quelque chose sans sa volonté. Et ce qu'il veut qu'il arrive, nous ne pouvons pas l'éviter. Par conséquent, purifions nos cœurs. Nous avons, à travers notre émission sur les qualités des bons musulmans, nous avons vu l'homme pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de l'entrée du paradis pendant 3 jours de suite. À chaque moment, il dit tout de suite, quelqu'un du paradis va faire son entrée dans cette mosquée. Et pendant 3 jours de suite, le prophète a fait cette affirmation, ce témoignage solennel, et c'est toujours le même homme qui entre dans la mosquée sous la même forme, sous le même comportement. Et quand Abdullah bin Amr bin As l'a suivi pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce témoignage solennel de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait savoir qu'il ne dort jamais avec quelque chose pour quelqu'un dans ce monde. Donc il dort le cœur tranquille, al-qalb salim, yom la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité donc devant Dieu, sauf celui qui regagne son Seigneur avec un cœur pur. Donc, purifions nos cœurs, aimons-nous les autres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète ne parle pas à l'air et je n'ai pas besoin de jurer après son serment. Il a juré et il n'a même pas besoin de jurer que wallahi, on ne va pas entrer au paradis sans la foi. Et on n'aura pas la foi sans l'amour mutuel. Et on ne peut pas avoir l'amour mutuel sans la paix mutuelle. Par conséquent, aimons-nous, faisons la paix. Et qu'est-ce qui est difficile ? Commettre le tort et chercher à réparer ou ne pas commettre du tout le tort, comme l'imam Ahmed a dit. C'est vrai que c'est un devoir, c'est une obligation, dit-il, que de se repentir après un péché. Mais il dit ce qui est plus obligatoire, c'est le fait de ne pas commettre le péché. À partir du moment où on peut ne pas commettre le péché, pourquoi le commettre et demander pardon? Donc il ne faut même pas tomber dans l'irréparable parfois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc des conséquences de nos comportements, des conséquences de nos agissements, des conséquences de nos jugements, parce que le plus souvent, tout ce que nous vivons là, que ce soit sur le plan familial, individuel, social, économique, politique, wallahi, j'ai dit wallahi, c'est des imaginations. Et malheureusement, nous courons derrière ces imaginations, nous les prenons pour des réalités et finalement, nous finissons par récolter donc les pots cassés de nos comportements, de nos jugements et donc de nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous fasse comprendre. Les hommes ont pris l'habitude d'être aveugles face à leur qualité et à leur bonté et ont pris l'habitude d'être intolérants face à leurs moindres défauts et ils sont encore plus intolérants avec les défauts des autres. L'amour exige la tolérance et la bienveillance sur autrui. Il n'y a que l'amour qui fait voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres, c'est ça. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voyez pas ses défauts. Et le contraire. Et vous savez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cœur de tous les hommes, de tous les êtres, de tous les fils d'Adam se trouve entre ses doigts. Il les tourne comme il le veut, de sorte que le matin, on est musulman, le soir, on se retrouve mécréant, et vice-versa. On parvient le soir mécréant et on se retrouve le matin musulman. Donc, c'est Dieu qui tourne le cœur. Et c'est pourquoi, quand l'amour devient haine, c'est grave. Et maintenant, pour que la haine devienne amour, c'est encore difficile. Donc, ici, l'auteur nous fait savoir que l'amour, c'est ça qui fait voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Quand on aime les gens, quand on aime quelqu'un ou quelqu'un, on ne voit pas ses défauts. On ne voit pas ses défauts. Et c'est comme ça, nous devons aimer les autres. Ne serait-ce qu'à cause de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimez-vous. Faites donc la paix entre vous. Et on ne peut pas faire la paix justement avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais pour un principe de vie sociale, un principe de cohabitation que le destin nous a imposé, il faut le savoir, que nul n'a choisi pour être ici.
C'est Dieu qui nous a choisis de par sa programmation. Cette programmation faite 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. C'est de par sa programmation que nous sommes retrouvés ici, X, Y, telle ethnie, telle race, telle couleur, telle taille. Et donc, de par cette programmation divine, il faut donc respecter les choses. Comme il l'a dit, il nous a créés et il nous a répartis en nations et tribus. Ce n'est pas pour se casser la gueule, ce n'est pas pour faire la guerre, ce n'est pas pour se valoriser les uns par rapport aux autres. Donc, en tenant compte des critères sur lesquels il n'y a aucun fondement dans la religion, en tout cas l'islam, dans la race, l'ethnie, la couleur, les niveaux de vie, les niveaux d'instruction, les niveaux familiaux, etc., etc. Ce qui compte auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la compétence, c'est la foi, c'est le travail, c'est l'utilité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'utilité qu'on rend aux autres, les services qu'on rend aux autres. Afdalunas anfa'hum lil'akhir, habunas ilallah anfa'hum. Donc les plus aimés des hommes auprès de Dieu, c'est celui qui est plus utile aux autres. Plus vous êtes utile aux autres, plus vous êtes aimé de Dieu et vice-versa. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à être aimés de Dieu. Les gens ne cherchent pas à valoriser leurs qualités. Les gens ne cherchent pas à extérioriser leurs qualités. Tout le monde veut se montrer méchant, se montrer dur, se montrer sans pitié, sans cœur. Montrer que c'est lui seul qui a raison, c'est lui seul qui mérite et tous les autres ne méritent pas. Or, ça, c'est faux dans la société, dans la vie. La vie en société exige justement la tolérance, qu'on tolère que l'autre soit différent de nous. Ça, c'est la répartition, la création de Allah subhanahu wa ta'ala. La ikraha fi din, surtout en matière de religion. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. C'est Dieu qui nous a créés, comme il l'a dit, minkum kafir minkum mu'min. Parmi vous, il y a des croyants, parmi vous, il y a des mécréants. Donc, il ne faut pas être aveugle. L'harmonie de ce monde, l'harmonie de ce cosmos, de cet univers, naît justement de la différence de nos couleurs, de la différence de nos langues, de la différence de nos conceptions, de nos jugements, etc., etc. Donc, il ne faut pas être aveugle par rapport à cela. L'amour exige la tolérance et la bienveillance sur autrui. Il n'y a que l'amour qui fait voir ce qu'il a de meilleur chez les autres. L'amour exige de se mettre à la place de l'autre, des choses que bien peu d'hommes font maintenant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yumin ahadukum hatta. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, mesurons notre responsabilité. Individuellement et collectivement, mesurons notre responsabilité parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous connaît et connaît même les imaginations et les pensées, sauf qu'il ne tient pas rigueur pour les imaginations et les pensées jusqu'à ce qu'elles soient transformées ou traduites en actes ou en comportements. Ou en parole, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, soyons vigilants. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Et sachons ensemble que tout ce que nous faisons en réalité, pour tôt ou tard, nous allons ramasser les pots cassés. Ça va nous revenir. C'est une semence que nous avons semée. Et il n'y a pas quelqu'un qui va. C'est vrai, quelqu'un d'autre peut en récolter. Comme quand nous sèmons 10 000, quelqu'un d'autre peut en consommer, quelqu'un d'autre peut en profiter. De la même façon, si c'est les biens que nous sèmons, eh bien, nous serons les premiers à bénéficier et les autres peuvent bénéficier. Et c'est le contraire que nous sèmons, au Riyaz Billah, sachant que tôt ou tard, nous allons récolter ce que nous avons sémé, que ce soit les biens ou les mal. Et ce sont les fleurs qu'on arrose qui fleurissent, ce sont les plantes qu'on arrose qui fleuriront, comme nous venons de voir donc la sentence, la règle inchangeable. C'est une règle de la nature avant qu'elle soit même islamique. C'est ce que nous sèmons que nous allons récolter. Donc, soyons conscients de cela et mesurons notre responsabilité. Quand nous parlons aux gens, qu'est-ce que nous leur disons? Est-ce que c'est les biens? Est-ce que nous recommandons les biens aux gens? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna Allah wa malaikatuhu a'ala samawat l'ard » حتى الهيتان في الماء والنمل في 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 القهر donc Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau et la fourmi dans sa fourmilière, tous prient sur ceux qui enseignent le bien aux gens. Est-ce que c'est le bien que nous enseignons aux gens ou c'est le contraire? Quand nous nous isolons avec les gens, de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas lui échapper. Comme je l'ai dit, même nos pensées, on ne peut pas les cacher à lui. À plus forte raison, déconciliables, loin des gens, loin donc de la vue des gens, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous par sa science, comme il l'a dit, « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum ». Il est avec vous, où que vous soyez. Donc, mesurons notre responsabilité en tant que leader. Parce qu'aujourd'hui,
qui divise la société, ce sont les leaders. Quand les gens se ressemblent à côté de ces leaders, il va dire que c'est lui seul qui est sur la vérité, c'est lui seul qui est comme ça, c'est lui seul qui mérite ceci. Et il fait valoir, il fait connaître à tous ceux qui veulent l'écouter et qui veulent le suivre que c'est lui le meilleur. Et par conséquent, on multiplie les autres par zéro. Et de quel droit, sur quelle base? Et donc, si ces leaders ne font pas l'union, si ces leaders ne font pas l'unité, comment ceux qui les suivent peuvent faire l'unité? Et c'est pourquoi, quand on a demandé à Jésus, à Isa alayhi salam, quelle est l'erreur la plus grave dans ce monde, il dit, la faute, l'erreur, plutôt quelle est la chose la plus grave dans ce monde, il dit l'erreur d'un leader. L'erreur d'un leader, pourquoi? Parce qu'un leader, c'est un conducteur. Et imaginez un conducteur, quand il dérape, quand il déraille, quand il rate le chemin, les dégâts qu'il peut faire avec tout ce qu'il transporte. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous vivons. C'est ça que nous vivons. Mais pire encore, moi, je me demande, est-ce que ceux qui suivent les gens, où est-ce qu'ils ont mis leur raison? Vous n'avez pas de raison pour raisonner? Pourquoi on va vous entraîner dans les abîmes alors que vous voyez? Donc faisons attention, mesurons notre responsabilité, la responsabilité individuelle et collective devant la société et puis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de toutes les façons, dans cette vie, on peut commettre ce qu'on peut commettre et puis échapper aux gens avec toutes les astuces et les complicités possibles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut lui échapper. Personne ne peut lui échapper. Par conséquent, c'est un appel que nous lançons à tous ceux qui sont responsables, à tous les leaders, leader de tous bords, qu'il fasse attention par rapport à ce capital commun qu'est le Niger. Kullukum mas'oul, wa kullukum ra'in, wa kullukum mas'oul, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes tous des bergers et vous serez tous interrogés, chacun sur l'objet de sa responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait d'exception. Allah n'a pas fait d'exception. Et par conséquent, chacun doit mesurer, quel que soit son niveau, quel que soit son apport qu'il apporte au feu, plutôt que de chercher à l'éteindre, eh bien, qu'il mesure sa position, qu'il mesure sa responsabilité. Il sera interrogé devant Dieu. Et ce qu'il cherche là, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ce que vous cherchez, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le donne à qui il veut. La popularité, la célébrité, le pouvoir, la richesse, tout ce que nous cherchons, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce que vous voulez, ce que Dieu ne vous a pas donné, personne ne vous le donnera. Donc faisons la paix et faisons progresser ce bout de terre qu'Allah nous a confié, qui est le Niger. Comme les autres sont en train de faire progresser le bout de terre qu'il leur a confié. Mesurons donc notre responsabilité en tant que leader, parce que comme je l'ai dit, c'est nous les leaders qui divisons les gens. C'est leader religieux, leader politique, leader familial, je ne sais pas quoi, ethnique. Eh bien, mesurons notre responsabilité. Si nous échappons à la vigilance, aux yeux, à la vue, aux oreilles des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, rien de nous n'est caché pour lui. Il nous voit, il nous entend et il est capable de nous saisir par là où on ne s'entend pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous comprenions et que nous revenions à lui, que nous nous épargnions le mal de nos propres comportements, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chers frères et sœurs en islam, malheureusement, nous sommes toujours sur notre mot qui risque encore de ne pas se terminer, mais nous allons essayer de le terminer pour ne pas revenir là-dessus, parce qu'il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on doit parler aujourd'hui. Les gens en ont tellement besoin et, comme je l'ai dit, il faut que vraiment nous mettions fin à cet islam de façade. L'islam est paix, l'islam est tolérance, l'islam est fraternité, l'islam est amour. Mais où sommes-nous par rapport à tout cela? Alors que Allah Akbar, Allah Akbar, dès que l'imam appelle, vous voyez tous les gens courir. Et parfois, même des gens qui s'en foutent de la religion, parce qu'ils veulent être écoutés, parce qu'ils veulent être vus, ils s'intéressent à la religion. Eh bien, ce n'est pas du jeu. Celui-là qui vous a créé, qui vous a donné la vie et qui est capable de la répandre à l'instant même où je parle, eh bien, craignons-le, wallahi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, il est capable de nous prendre là où on ne s'attend pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. L'amour exige de se mettre à la place de l'autre. Donc, avant de juger l'autre, mettez-vous à sa place. Avant de poser un acte, cherchez à se comprendre. Qu'est-ce qui est difficile?
Effectivement, la construction est difficile, mais la destruction est facile. Ce n'est pas n'importe qui peut construire une maison, mais n'importe qui peut détruire une maison. Pour construire une maison, une villa, il faut des experts, il faut des maçons, il faut ceci, cela, qui ont fait des études, qui sont capables de raisonner, de calculer, de faire des plans. Mais pour détruire, n'importe qui de la rue peut détruire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Certains cherchent à construire, d'autres cherchent à détruire, mais ils ne peuvent que se détruire sans qu'ils le sachent, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in ahsantum falaha. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Si vous faites le bien, dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, c'est à votre détriment. Et c'est ce que vous avez semé que vous allez récolter. وما تجزون الا ما كنتم تعملون الجزاء من جنس الامر de la même façon que vous avez œuvré de la même façon vous serez donc récompensé. C'est le mal que vous avez fait, vous serez récompensé par le mal. Si c'est le bien que vous avez fait, vous serez récompensé par le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc des choses que bien peu de gens d'hommes font aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, à 5 minutes donc de la fin de notre émission. Je continue pour terminer. L'amour et l'égoïsme sont ennemis. L'homme ne peut à la fois aimer son prochain et combattre ce qu'il possède. Al-Hasad, le prophète nous a interdit cela. Le Coran nous a interdit. L'avant-dernière sourate du Coran, Qul a'oudhu bi rabbil falq min sharri ma khalaq jusqu'au min sharri hasidin idha hasad. Et Al-Hasad, l'envie, c'est le fait de souhaiter la disparition des biens que Dieu a donné à quelqu'un, même si on ne sera pas bénéficiaire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque vous souhaitez la disparition des biens que Dieu a donné à quelqu'un, eh bien, sachez que vous n'aurez jamais de biens. Et quand vous les aurez aussi, ce n'est que de la fitna, ce n'est que de l'épreuve. Et peut-être vous ne sortirez même pas de cette épreuve. Donc, l'amour et l'égoïsme sont ennemis. L'homme ne peut à la fois aimer son prochain et convoiter ce qu'il possède. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi » Mais la convoitise finit toujours par détruire celui qu'elle a pris dans ses filets. Donc, si vous êtes atteint de cette maladie qu'on appelle donc Al-Hasad, sachez que vous allez mourir de cette maladie. Il n'y a pas de remède sauf le renoncement à ce comportement. N'as-tu donc jamais rencontré des personnes prospères et heureuses durant ton voyage? J'en ai rencontré, répondit Padma, mais vous avez raison, elles sont rares. Et je ne les ai jamais entendu plaindre, dire du mal ou faire du mal à autrui. Donc, vous voyez, la définition du musulman, le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et je n'ai même pas donné la définition du croyant encore. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant, c'est celui qui, celui dont les gens sont en sécurité par rapport à lui, vis-à-vis de leurs âmes et de leurs personnes. Autrement dit, on peut lui confier et nos âmes et nos biens à aller dormir sans craindre quoi que ce soit. De la même façon qu'il prend soin de son âme, de ses biens, il va prendre soin de notre âme et de nos biens. Mais où sont donc ces gens? Ils sont rares aujourd'hui. Et je ne les ai jamais entendus se plaindre, dire du mal ou faire du mal à autrui. Donc que chacun de nous se contrôle. Quand les gens vont venir vers moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je vais leur recommander de faire le bien? Je vais leur recommander de s'entendre avec les autres? Je vais leur recommander de faire le bien, d'aimer les autres, de faire la paix? Ou c'est le contraire? Et c'est ce que je sème avec eux que nous allons récolter ensemble et devant l'histoire humaine et devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant qui ou à qui rien n'échappe ni dans les cieux, ni sur la terre et encore moins dans nos cœurs, comme il l'a dit Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay fil ardi wa la fis sama. Donc, Seigneur, tu connais ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien ne se cache à Allah subhanahu wa ta'ala, ni sur terre, ni dans les cieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Voilà, chers frères et sœurs islam, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter ici. Et, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège notre pays, nos biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage, bénisse notre pays, bénisse nos vies, bénisse nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes, les comportements apparents et cachés dès maintenant et pour toujours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner la paix, l'unité et la cohésion sociale entre les filles de ce pays.
pays et qui les aide à les faire sortir donc de tous les retards dans lesquels il est et qui les aide donc à les développer, à les faire progresser comme les autres ont progressé, ont fait progresser leur bout de terre qu'il leur a confié. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samil alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal afal wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.